Surprenante, la méthode Montessori, basée sur la responsabilisation individuelle et l'entraide collective. Ces enfants sont tout petits, entre 2 et 5 ans. Mais ils ont quand même entendu parler du coronavirus. C'est des microbes. C'est des microbes ? Et qui font quoi ? Mais les gens à tous comme ça. Ils font comme ça, ils toussent comme ça. Ouais, ils toussent pas ta coude. D'accord, donc il faut mettre un masque, c'est ça? Et ici, quand tu viens à l'école ici, tu mets un masque? Hé, hey, tu ne vois pas ta voiture. Quand j'ai mis mon masque, je n'ai pas toussé. Tu fais attention quand tu mets ton masque? Eh oui. Mais quand tu viens à l'école, tu ne mets pas le masque. Quant aux enseignants, leur méthode, c'est d'abord l'observation de ces petits pour profiter au maximum de leurs aptitudes naturelles. Des enfants de maternelle qui gèrent leurs envies et leur temps, mais doivent apprendre à s'assumer, ranger, nettoyer, apprendre que personne ne le fera pour eux plus tard dans la vraie vie. Alors pour le coronavirus, c'est pareil. Pas de masque, certes, mais des gestes barrières que ces enfants contrôlent plus rapidement. Nous sommes une petite structure. Hein, donc on ne parle pas de structure avec 600-700 élèves, on a une petite structure, on est souple, donc on s'adapte facilement. Donc, nous avons les mêmes gestes de protection imposés pour tout le monde, hein, comme tout le monde, à savoir se nettoyer les mains, bien se nettoyer les mains. Pour autant, les personnels de cette école font beaucoup plus attention quand ils rentrent chez eux. Moins d'interaction avec l'extérieur et surtout, s'il le faut, volontairement, on se confine. On a par exemple fermé 15 jours l'école au mois d'octobre sur cas contact. L'école emploie 2 aides maternelles et 2 assistantes qui se relaient chaque jour. Elles ont intégré que la liberté qui règne ici ne se conjugue pas avec le laxisme. Alors oui, une classe où la maîtresse a le visage découvert, ça fait toute la différence. Mais ce n'est effectivement envisageable que dans les toutes petites structures.